Bonjour mes balances, c'est Nati, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien de votre côté, je vous le souhaite. On va fermer. Dommage, hein, il y a les petits oiseaux qui chantent. L'empereur. On reprend confiance en soi. Par contre, et son leadership, Chip. Mais par contre, il faut s'autodiscipliner, s'organiser. D'accord? C'est pour ça qu'il faut mettre de l'ordre. Parce qu'il y a quelqu'un, hein, pas tout le monde, hein, qui a l'impression d'être piégé. On vous dit que c'est illusoire. Vous manquez de confiance en vos moyens, en vous, peur d'agir. C'est pour ça que là, il faut reprendre confiance. D'accord? Et puis, réfléchir, mais s'organiser. Pardon. On parle de structure, de logique, de discipline. Ouais. Donc, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, mes amours. Honorez vos engagements, un ange gardien est là pour vous, hein. Pour la victoire. Excusez-moi, je suis encore malade. Pour la victoire, c'est quoi ici? Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. L'expérience de la vie, l'archange Samuel vous dit, un événement important fait irruption dans votre vie, ou une personne, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes, mes chères balances. Dites-moi, vous allez travailler beaucoup, hein, parce que là, on vous dit de vous atteler à la tâche, et vous travaillez beaucoup, hein, d'accord? Bon, il faut penser de temps en temps à sortir avec les amis ou à faire une petite sieste, une petite pause, hein, d'accord? Pour mieux repartir d'ailleurs. On va vers une victoire, hein, vers un vœu qui se réalise. Hein. Ouais, c'est. On a aussi une très très bonne nouvelle, reconnaissance publique ou récompense. Pour certains de vous ici, il y a besoin de reprendre confiance. Vous êtes dans la confusion. Ouais, vous êtes dans une confusion, vous ne savez plus trop très bien, mais vous allez quitter cet état, heureusement qu'il y a l'empereur. Hein. Vous allez quitter cet état, vous allez reprendre, vous allez pouvoir maîtriser vos pensées, hein, parce que ça part un peu dans tous les sens, hein, puisqu'on ne sait plus trop quoi faire et on quitte. Alors, soit vous quittez une personne, soit vous quittez une situation néfaste. La rivalité, la concurrence, d'accord? Et on épargne. Pour d'autres, vous n'avez pas confiance en quelqu'un. Vous émettez des réserves, en tout cas, vous êtes sur la réserve. Vous n'avez pas confiance. Hein. Vous réfléchissez. Je pars, je pars, je pars pas. Je fais quoi? Je m'en vais pas. C'est un petit peu ça. Pour certains, ouais, vous êtes bloqué, c'est ça. Pour certains, je regarde encore. Alors bougez, hein. Pour certains, en tout cas, ici, on vous parle de construction, de stabilité, de sécurité, d'argent, d'accord. On vous parle aussi de construction. On vous parle de, ouais, de sécurité, de toit aussi, de foyer. Pardon, par rapport à un nouveau départ, par rapport à une opportunité, une proposition, par rapport peut-être s'expatrier, de nouveaux horizons, hein, d'accord? Mais on est un petit peu dans l'attente, hein, on est un peu bloqué. Est-ce que vous êtes bloqué par rapport à des documents importants, officiels? C'est possible, hein, mais vous aurez cette renaissance, hein, d'accord? Ou vous avez hâte en fait, hein. Pour d'autres, en fait, vous êtes en train de réfléchir, vous vous ennuyez avec une personne, vous la regardez différemment aujourd'hui, ou alors vous vous ennuyez au travail, ça peut être ça aussi, et vous réfléchissez, qu'est-ce que je fais?
Bien, tout ça. Ouais, il y a une expatriation, changement de région, mutation. Et pour d'autres, il y a une élévation, mais il y a une réunion, il y a un rendez-vous ici, il y a l'ouverture, hein, d'accord? Derrière, il y a une maison, le soleil, la chance, mes amis. Et la paix, la tranquillité et l'abondance. Certains, vous vous séparez de tout ce qui est des faces négatives et des personnes négatives. Hein, d'accord? Ok. Hein, allez, restez. Bon, à cause de la ruse, de la méchanceté, malhonnêteté, tombez pas dans le piège, c'est ce qu'on vous dit. Et certains de vous, c'est la personne du passé, certains de vous, vous avez le choix. Soit vous allez vers le passé, vers la ruse, vers la malhonnêteté, ou soit vous donnez vos énergies à une nouvelle personne. À vous de voir. Il y a possibilité de rencontre ici, donc à vous de voir, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui s'est envoûté, hein, qui s'est envoûté. Et pourtant, vous avez la chance avec la nouvelle personne. Il y a quelqu'un qui s'est envoûté. C'est son truc d'envoûter. Par les mots, le verre, vous voyez. Et après, une fois que cette personne, elle vous récupère, elle vous reconquérit, du coup, elle se détache de vous à nouveau. C'est comme si cette personne aussi, elle vous dit, écoute, donnons-nous la chance. Et elle vous gâche, en fait, l'opportunité. Et donc, certains... Et après, il n'y a plus de dialogue. Hein. J'avais l'ex, là, qui a failli sortir. Mais qui n'est pas sorti, mais je l'ai bien vu, hein. Une ex ou un ex, hein. Et après, ça revient. Vraiment, le naturel revient au galop. La personne, elle se redétache de vous. Allez vers l'élévation plutôt, hein. Vous savez plus quoi faire. Vous êtes dans l'excès de réflexion, le mental. On vous demande de vous débrancher, enfin débrancher le mental. Vous avez besoin de respirer, hein. Nouveau départ, renaissance, la vitalité avec quelqu'un de karmique, quelqu'un une destinée en plus, hein. Qui c'est qui est toxique là-dedans? Ok, faites voir. Bon, j'ai le passé, quelqu'un de mauvais. Et j'ai une nouvelle personne à rencontrer, à lâcher le passé et à rencontrer, hein, d'accord? Ouvrir son cœur, l'âme sœur, protection divine. Et là, ici, de toute façon, la personne du passé, vous le savez très bien que l'ex, une ex ou un ex, aime et volage, triangulaire, tromperie, adultère et tout ça. Pensez à vous. Il y a une ex ou un ex qui ne vous lâche pas l'esprit. Hein. C'est vous qui ne lâchez pas. Soyez dans la sagesse. Hein. Guérissez. Hein. Guérissez parce que vous pouvez faire une rencontre ici. Hein, et ça n'arrête pas de le dire. Hein. Bon. Il y a une tierce personne. Vous revenez avec une personne donc, qui est prise. C'est plus fort que vous, en fait. Cette personne, elle arrive à vous attraper dans ses filets. À moins que ce soit vous. Donc, vous adaptez, bien entendu. Hein, on est d'accord. Hein. Bon, de toute façon, ici... Ouais, c'est comme si la personne, elle vous dit « Oui, j'ai changé, redonne-moi la chance » ou un truc comme ça. Et au final, c'est pas vrai, en fait. C'est quand même quelqu'un qui a une mainprise sur l'autre. C'est quelqu'un qui a l'emprise, hein, d'accord? Oh là là, qui est pas sérieux, pas élégant, qui est volage, il ou elle. Hein. C'est à vous d'adapter. Mes chéris, la nouvelle personne, la nouvelle énergie après, libre arbitre à vous, bien entendu.
Vous faites ce que vous voulez. Bon. Bah écoutez, mes chers balances, hein, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Là, il faut le bon raisonnement, le bon choix, vous voyez. Mais je vous assure, c'est quelqu'un qui sait s'y faire avec vous ou vous avec. C'est à vous d'adapter. Bon, prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Ouais, vous avez quand même. Là, j'ai marqué la victoire. Hein. Vous l'avez, elle est belle. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez une opportunité. Hein. Ok, bah écoutez, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi en consultation téléphonique, vous n'hésitez pas. Ou si vous préférez régler une vidéo, bah vous choisissez la formule vidéo, vous réglez. Ah, il est là le pigeon, il est arrivé. Juste au bout, je peux oublier, c'est une tourterelle, pas le pigeon. Alors, on la laisse faire, on la laisse faire, il y a du pain. Et du bon pain aux céréales. J'ose plus bouger mon crayon et ma tête. Donc, vous choisissez la formule. Vous avez les tarifs, le soin ancestral aussi. Une fois que la vidéo est réglée, vous la recevez sous 48 heures, si j'ai le temps, ou 72 heures. Mais c'est écrit hein, de toute façon quand je suis très sollicitée et que j'ai pas le temps et ensuite bien sûr vous l'écoutez en privé cette vidéo, donc vous trompez pas, vous avez les formules vidéo. Ah ça y est, elle est partie. Oh, dommage. Les formules vidéo et vous avez les formules téléphoniques, qu'elles soient ancestrales, vous avez un récapitulatif hein. Voilà, bon. Bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, opportunité, occasion, avancement professionnel, transformation de votre vie. On parle aussi d'un événement qui fait irruption dans votre vie ou une personne. Hein, d'accord? Voilà. Donc, prenez soin de vous. Et si ce n'est pas fait, ça va arriver. Hein. Ici, on est dans la joie, ici. On est dans le bonheur. C'est 10 d'eau, c'est 10 de coupe. Hein. Mmh. On est comblé affectivement et matériellement. C'est bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.